Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Bon, je vais peut-être paraître pour quelqu'un qui enfonce des portes ouvertes, mais je m'obstine à penser que le cinéma doit avant tout être un objet de culture avant d'être un objet économique. Alors, ça peut sembler très bête parce qu'aujourd'hui, il est indéniable, et nombre de sociologues, ou si ce n'est de sociologues, d'amateurs d'art l'ont déjà évoqué, il est indéniable qu'aujourd'hui, on parle d'industrie cinématographique et non pas de culture cinématographique ou de création cinématographique. C'est un vrai problème, mais c'est une question qu'il est important de soulever. C'est important, des fois, de donner des coups de pied dans la fourmilière, même si on sait très bien que la fourmilière, on passe son temps à la tabasser et que peut-être, au bout d'un moment, bah, les fourmis, elles vont peut-être nous grimper et commencer à nous bouffer. Mais c'est bon de rappeler que le cinéma, à la base, c'est avant tout de la culture. C'est un moyen de s'évader, certes, de se divertir, mais c'est aussi un moyen de réfléchir et un moyen de contempler aussi un petit peu de beauté, parfois. Et du coup, il est indéniable que de plus en plus aujourd'hui, il y a des films qui sont pensés de manière économique avant d'être pensés de manière créative, ou si ce n'est créative, de manière culturelle, en se disant que derrière, ça va avoir un impact, une logique, une espèce de résonance au travers de la société, au travers des spectateurs, et que du coup, on va se sentir un petit peu transporté, on va se sentir un petit peu libre de regarder quelque chose qui veut nous embarquer dans une certaine logique créative et où du coup, on va être poussé non seulement à réfléchir, mais aussi à se dire, c'est beau. Parce que l'art, c'est avant tout ça, ça se doit d'être beau. Ça se doit d'être beau parce que ça se doit de nous transporter dans un univers, de nous faire regarder de belles images, avec des acteurs qui la plupart du temps se doivent de bien jouer. Quand ils doivent mal jouer, ça peut avoir aussi une cohérence par rapport à l'objet cinématographique. Mais bon, ça c'est encore un autre débat autour des nanars et autour de la culture bis. Mais je pense foncièrement que si on ne pense pas comme ça, c'est compliqué derrière de réussir à toucher les spectateurs. Je veux dire, parlant vraiment de purs chiffres, je pense pas que si un film comme Bienvenue chez les Ch'tis ou Mission Cléopâtre avait été conçu de manière économique, ils auraient rencontré le public comme ça a été le cas. Non plus comme Intouchable, non plus comme Titanic ou comme Avatar, ça avait été des mecs qui étaient derrière un bureau et qui avaient pensé avec de la rentabilité, avec des tableaux Excel et des magnifiques schémas avec des diagrammes ou des reliefs camembert, ils n'auraient pas réussi finalement à trouver la bonne recette parfaite économique pour livrer des films qui vont rassembler les spectateurs dans les salles. Et je pense que c'est ça en fait qu'on oublie aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça aussi en un sens, que c'est fou de voir que dernièrement, il n'y a pas eu tant que ça de films qui ont dépassé le milliard de dollars de recettes dans le monde, parce que la plupart des films qui avaient été conçus dernièrement, que ce soit par Hollywood ou par la France, ce sont des films qui sont conçus parce qu'ils doivent rentrer dans une espèce de logique qui doit rapporter du fric. Je pense foncièrement qu'un film comme Astérix et l'Empire du Milieu, c'est un film qui fonctionne uniquement dans un objectif économique, où ils se sont dit, si on met tel type de personnage, ça va forcément faire venir tel type de spectateur. Si on met tel type d'acteur, si on met telle logique créative, ça va forcément inciter les gens à aller dans les salles. Et du coup, bah, c'est pas tout à fait le cas. C'est peut-être pour ça aussi, dernièrement, qu'on voit pas des films bah, comme Avatar 2, par exemple, qui vont réussir à rassembler 10, 11, 12, 13 millions de spectateurs dans les salles. Un film comme Avatar 2, c'est un film qui a été pensé par un mec qui a envie de faire une belle œuvre artistique, créative, et qui doit marquer la culture, parce que, au-delà de l'aspect technologique, c'est un film qui raconte une histoire prenante. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'un succès est un succès. C'est pas des raisons économiques, c'est des raisons culturelles. Et c'est bête. Bon, certes, après, des fois, il y a des contre-exemples qui nous montrent que des films sont pensés de manière économique et arrivent quand même à rencontrer le public. Parce qu'on va pas se mentir, autant on emporte le vent, même si ça reste une œuvre artistique absolument démentielle, il y a quand même eu des problèmes de réalisateurs qui se sont barrés, qui sont revenus, des gros problèmes de budget, des problèmes économiques derrière, qui ont amené le film à avoir la tête qu'il a aujourd'hui. Et certes, l'économie a forcément joué dedans. Mais avant, il y avait cette idée de créer, de développer quelque chose qui sorte de l'ordinaire, qui n'ait pas le même regard que les autres, qui soit à part, qui soit atypique. L'art. L'art avant l'économie. Encore une fois, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais j'aime bien mettre mon pied dans le trebaillement de la porte et rester comme ça. T'as l'air con, mais t'es content après. Voilà. N'hésitez pas à me dire encore et toujours ce que vous en pensez dans les commentaires de cette petite capsule. Et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette vidéo. Si j'ai envie d'en parler, eh ben j'en parle.